85 km, c'est la distance qui sépare la ville d'Akeni et la commune d'Onga, dans la province du Haut-Ogooué. L'état de la route n'a pas découragé la petite caravane déterminée à rencontrer la population de cette région. Dans cette commune où tout manque, les populations ont tenu à dire leurs difficultés quotidiennes. Le développement d'un département passe d'abord par les voies de communication, l'électrification. La route Akeni-Onga n'est pas praticable en toute saison. Vous voyez de vous-même que le grand Poubara s'est arrêté entre les villages Ossélé et Aliga. Le PDG a fait confiance en des hommes et des femmes que nous avons investis pour être élus par vous. Prévu pour 11h, c'est à 15h qu'est arrivée la caravane de l'UJPDG pour rencontrer les jeunes de Moanda. Un retard qui n'a pas laissé la population moandaise insensible. Malgré leur colère, les jeunes de Moanda ont écouté le délégué national de l'UJPDG avec attention. La jeunesse de la Libombi-Léou n'est pas en reste parce que vous faites partie du Gabon. Et aujourd'hui, pour pouvoir participer à l'émergence de notre pays, il faut d'abord être un bon citoyen qui se respecte, qui respecte son entourage, qui respecte la société dans laquelle il évolue, qui respecte les autres, qui respecte ses institutions, qui respecte tout simplement son pays et sa patrie. Le bon citoyen, c'est celui qui s'incline devant le drapeau. La caravane de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais s'est poursuivie dans d'autres départements du Haut-Ogooué. L'arrivée de Vivien Péa Makaga et de sa délégation était très attendue ici, à Mounana. À l'accueil, les autorités de la commune, les responsables du PDG et l'ambiance rythmée au son traditionnel. Mais l'essentiel était dans les échanges. Nous sommes en effet ravis d'exprimer notre affection, de recevoir notre responsable national, un collaborateur par ailleurs du Sénégal camarade Yahane, qui vient d'émerveiller le monde entier en liguant à la jeunesse gabonaise et à l'état de son pays, sa part d'héritage et de son père. On va parler citoyenneté, on va parler responsabilité et on va parler patriotisme. Ce sont les trois thèmes sur lesquels Ali Bongo Ondimba m'a demandé d'entretenir les jeunes des 52 départements du Gabon. Le symbole de la responsabilité, c'est le respect de l'autre. Et comme on dit souvent, et je crois que chacun de vous l'a déjà répété une fois, le respect bien ordonné commence par soi. Dans la commune de Bakumba, au cœur du département de Lekoko, le scénario fut semblable dans la salle polyvalente Théophile Lepanda. Les dangers de la vie, c'est justement tout ce qui concourt à vous faire échouer. Il n'y a pas qu'à l'école qu'on échoue. On échoue aussi dans la vie. Merci aux distingués qui vont en date aujourd'hui de venir toucher le Gabon profond. Et il est important quand même de vous rappeler ces jeunes ici. Les jeunes souffrent à Bakumba, camarades. Ton objectif ce sera, je veux réussir. Je veux réussir parce que je vois comment ma mère, qui est pauvre, et se battent. Ils vont à la chasse, ils vont dans les plantations. Ma mère va au marché pour que j'aille à l'école. Après Mounana et Bakumba, la caravane devait désormais se rendre à Franceville.